Salut, salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live, et Carlos Vela, la carte de Carlos Vela, homme du mois de MLS, après Joseph Martinez, c'est Carlos Vela. Il a une carte BU, elle est pas mauvaise, ça vaut pas la carte à Joseph Martinez, mais elle est vachement moins chère. Elle coûte environ 28 000 crédits. Entre 27 et 30 000, on va dire. Mais enfin, moi, elle m'a coûté 28 000. Il n'y a qu'un seul DCE à faire. Donc, ça va aller assez rapidement. Il fallait un joueur de MLS, un joueur de l'équipe de la semaine, une note générale à 83, un collectif à 75. On commence avec Fernando Pacheco, Nani, version boost, Marc Bartra, Nacho Fernandez, Dusan Tadic, Javi Martinez, Dale Blend, Santi Cazorla, Mikel Oyarzabal, Diego Costa, et on termine avec Quincy Proms. Voilà, pas de particularité à la place de Pacheco, vous pouvez mettre Soria, il a la même note, il joue dans le même championnat, donc là il n'y a aucun souci. À la place de Diego Costa, vous pouvez mettre Morata. Et voilà, on est bon. Voilà la petite vidéo. Enfin, la petite vidéo, elle n'est pas encore terminée, mais voilà pour la solution. On va aller récupérer notre carte de Carlos Vela. C'est pas mon compte, donc je ne m'en servirai pas du tout. Il arrive, il est là. Carlos Vela. De toute façon, entre lui et allez, peut-être Ibra, encore je me demande. Mais enfin voilà, de toute façon, entre Joseph Martinez et Carlos Vela, enfin, ce sera que eux deux quoi. Il n'y aura pas 40 cartes différentes. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas si vous allez être nombreux à le faire parce que c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué de mettre un joueur de MLS dans son équipe. Moi perso, sur mon compte principal, j'ai Joseph Martinez que je fais rentrer en deuxième mi-temps. Donc déjà ça va, ça dépanne, il est rapide, donc ça va. Mais j'avoue que Carlos Vela, voilà, je m'étais dit que je ferais tous les DCE possibles, inimaginables. Voilà, tant que financièrement ça suit au niveau de mes crédits, je les ferai. Mais j'avoue que celle-là, c'est pas la plus, ce sera pas la plus regardée, et je le sais. Maintenant, s'il y en a que ça intéresse, ben c'est tant mieux. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous le faites ou pas. Mais je pense déjà connaître les réponses. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager un max. Ça serait cool, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, à très vite. Ciao.